toutes les années un peu folles, on leur rend hommage, quoi. Pas seulement les années 80, mais aussi les années 60, les années 70. Ouais, c'est pastiche. Et aussi même les années 20 à Berlin, un peu folles. On s'est dit, bon, pourquoi pas faire un concept album où ça va être notre propre émission de télé spéciale La Femme, où tout le monde est libre de dire ce qu'ils veulent et de boire et de fumer comme à la bonne époque. On l'a plus fait comme un baume qu'on passe contre notre cœur pour les gens qui en ont besoin, et c'est un peu comme une BO de vie, quoi. Le côté touffu et bordélique, c'est par la force des choses, en fait, c'est juste qu'on est... On est touffu et bordélique. Vu qu'on fait plein de styles de musique qu'on aime sans se brider, et du coup ce qui fait que c'est aussi large, en fait. Ouais. C'est ça qui donne le côté bordélique, mais c'est pas... Ça serait que c'est une force aujourd'hui, parce qu'il y a quand même plein d'artistes, mine de rien, ils se mettent dans des cases tout seuls, et ils peuvent pas faire des trucs différents que ce qu'ils font. Et nous, ce qui est cool, c'est que dès le début, on a fait en sorte de brouiller les messages tellement dans tous les sens qu'on peut à peu près se permettre à peu près tout, sauf les chansons paillardes.